La parole est à Madame Valérie Pécresse. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, la compétitivité est la clé de la croissance et de l'emploi dans une période où notre pays se trouve plongé dans la récession. Après avoir nié cette question pendant toute la campagne, vous avez finalement ouvert les yeux avec le rapport Gallois et vous avez appelé à un choc de compétitivité. Eh bien, permettez-moi de vous le dire aujourd'hui, votre choc, c'est un flop. C'est un flop parce que les entreprises avaient besoin d'une baisse des charges sur le travail. Allez. Une baisse des charges simple, une baisse durable, une baisse massive. Et la TVA antidélocalisation que nous avions portée, que vous vous êtes empressés d'abroger, c'était 13,6 milliards de baisse des charges. C'était une baisse des charges définitive et c'était dès 2013. Vous l'avez remplacée par une mauvaise copie, par une usine à gaz, le crédit d'impôt compétitivité des entreprises. Ce crédit d'impôt, il est trop complexe. Pour le mobiliser en 2013, il faut payer un intérêt. Payer un intérêt pour un crédit d'impôt, c'est absurde. Il ne rapportera rien à nos entreprises en 2013, car la moitié des PME ne veulent pas y avoir recours. Et en plus, il n'est pas financé. Il n'est pas financé, ça veut dire qu'il peut disparaître du jour au lendemain. Vous aviez dit 20 milliards de crédit d'impôt compétitivité, financés par 6 milliards de hausse de TVA, 4 milliards de fiscalité écologique et 10 milliards de baisse de dépenses. Alors je vous pose la question, confirmez-vous cette nouvelle hausse d'impôts, cette fiscalité écologique, pouvez-vous nous dire où seront les économies dans les dépenses? Si vous ne répondez pas à ces questions, vous confirmerez aux Français que le crédit d'impôt compétitivité, c'est juste un mirage. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Valérie Pécresse, s'agissant de compétitivité, vous en connaissez un rayon. Car la droite a été au pouvoir pendant 10 ans et ce sont été 10 années de décrochage de la compétitivité française. Marqué par un chiffre très simple qui est le fait que quand nous avons quitté les responsabilités en 2002 et j'étais membre du gouvernement de Lionel Jospin, le commerce extérieur français était excédentaire et il était, quand vous l'avez laissé, déficitaire de 70 milliards d'euros. Et je n'aurais pas la cruauté de rappeler les chiffres. Arnaud Montebourg lutte contre cela avec le gouvernement de la désindustrialisation française, les 750 000 emplois industriels qui ont été perdus en 10 ans. Alors franchement, venir nous critiquer parce que nous nous attaquons à ce déficit de compétitivité que vous avez creusé, franchement, je trouve que c'est de mauvaise politique. Quant au crédit d'impôt compétitivité et emploi, regardez les choses en face, c'est une mesure extraordinairement puissante. Vous avez évoqué la TVA sociale et les 12 milliards d'euros qu'elle était supposée coûter. Vous l'avez d'ailleurs mise en œuvre virtuellement à la fin du quinquennat précédent. Le CICE, c'est 13 milliards d'euros immédiatement. C'est 20 milliards d'euros en régime de croisière. C'est une baisse du coût du travail de 4% dès cette année. Et les chiffres de l'INSEE l'attestent. De 6% l'année prochaine. C'est une mesure tellement simple que Jean-François Roubaud, que nous connaissons tous, le président de la CGPME, a dit que c'était la plus simple qu'il ait connue depuis 45 ans. C'est une mesure qui est extraordinairement facile à mettre en œuvre avec un préfinancement qui, en plus, a supprimé, depuis la semaine dernière, tout frais de dossier pour les entreprises, pour les CICE, de moins de 25 000 euros. Alors, vous m'interrogez sur le financement, il sera fait, comme le reste, dans le cadre de ce que nous avons promis, une mesure efficace qui va rétablir la compétitivité française que vous avez dégradée. Merci.